Rebonjour, Last Angel, toujours sur l'épisode 2 de Dead Space Let's Play. Alors, donc, on va poursuivre où on en était. On avait récupéré la termite pour faire sauter la barricade et il nous manquait un défibrillateur. Et là, j'entends un truc qui tape. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est complètement à la masse. Et... oh putain! Oh là là! Oh là! Oh là! Oh, il avait pas l'air en forme. Ah, mais ça commence bien. Il avait pas l'air très très. Il est pas complètement fini, le mec. Allez, tiens. Hop. De toute façon, il était parti pour s'esquinter. Alors. Oh la vache! Je te dis, ce vaisseau, je sais pas où ils ont recruté les mecs. Oh putain! C'est quoi? Normalement, on a un point de force. On va ouvrir en espérant qu'on n'ait pas gaspillé un point de force pour rien, qu'il y aura des trucs intéressants. Alors, semi-conducteur or, ouais, c'est bon, ça vaut de la thune, ça. Transmission. Il y avait quelque chose, n'est-ce pas? Oui. On l'a trouvé. Alors, tout était vrai. Tout ce temps. Ne nous emballons pas trop vite. Ce que j'ai vu n'avait rien de divin. Il est enfin là. Nous sommes ses premiers apôtres. Mathius n'autorise personne à descendre sur la colonie. Elle est sous quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Mathius ne sait rien. Lui, plus que les autres, devrait savoir que rien ne compte plus, que ce soit l'opération ou même la compagnie. Elle est notre délivrance. Mais taisez-vous, bon sang. Des gens sont morts là-dessous. Les faibles et les profanes ont ce qu'ils méritent. Moi, j'ai la foi. Qui croyez-vous, Terence? L'église. Ouais, quand il y a des messages audio comme ça, je vous laisse les écouter. Hein. Pour les vidéos, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Alors là, on a deux emplacements qui sont pris pour rien avec les semi-conducteurs. Enfin, pour rien. Ça, c'est à revendre. Ça, c'est quoi? Résultat prometteur. Harry s'est endormi avec un sédatif puissant. Il ne dort plus sans aide médicale. La plupart des gens s'écroulent après plus de 48 heures sans dormir, même shooté au café. Mais pas Harry. Sa version des événements de la colonie est troublante et témoigne de la même paranoïa que les autres colons atteints. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Deux officiers de sécurité l'ont vu prendre le docteur Ciarello en otage et assassiner l'infirmière Evans. De plus, il ne nie pas les faits, cependant, il... Alors... cependant, il insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un crime et qu'il n'en éprouve aucun remords. Bien qu'il s'agisse d'un comportement sociopathe typique, Harris ne souffre d'aucun autre symptôme. Il est aimable, souriant et ne refuse pas la discussion. Si on le questionne au sujet du meurtre, il se braque et fait preuve d'un comportement schizophrène. Il est également sujet à des hallucinations comme celles des autres patients. Harris prétend que ses menaces envers le docteur étaient dues au visage qu'il voyait dans ses cauchemars et qu'il continuerait à tuer pour ne faire plus qu'un. Voilà, ouais. Avec qui, je n'en sais rien, comme au sujet de ses visages. Non, c'est... Il a l'air bien barré aussi celui-là. Ouais, de toute façon, c'est une bande de tarés là-dedans. Bah, ils ont mis un mec à cuire là-dedans. C'est quoi ce bordel? Enfin, ça doit puer ce truc là. Allez, hop, dégage de là, toi. Oh, ils sont. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est les saloperies que j'aime pas, ça. Ah non, putain, ils sont pires, ceux-là. Avec leur queue, là, faut faire gaffe, et ça saute et tout. Alors, on va se le faire. Oui, ça, il a l'air malade, celui-là, ça, on craint rien. Lui, il devait être malade, celui-là. Il avait la myxomatose. Allez. Il est où, l'autre? Il est passé, l'autre? Il est où? Ah, là, ça va, il est pas nerveux non plus. Quoique. Hop, ça, c'est bon. Hop. Ouais, ils étaient pas vraiment... Tant d'habitude, ceux-là, ils sont speed et... Enfin, on va pas se plaindre. Hein.
On va recharger, voilà. Hop, c'est bon, on a du... On récupère un peu d'oseille. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore un point de force à gauche. Oh là! Eh ben... Un autre schéma, les balles pour le fusil, un point de force. Bah ça va pour l'instant côté mettre. Oh putain! Sors d'où lui? Putain mais il est sorti d'où lui? Ah ouais là, le truc là-haut là. Ah le fumier là. Ah ouais putain, je me suis pas méfié l'autre là, il était complètement à HS. Bon, ça, faut le foutre là pour alimenter soit la porte, soit le truc à côté là. Bon bah c'est le petit ascenseur alors. Allez, on va y aller. Il y a un truc sur le bord là. Et merde, on est plein au niveau d'inventaire. S'il y a des trucs à récupérer après. Bah ouais, parce qu'on a récupéré le truc aussi là, en rapport à la con. Là. On va peut-être mieux qu'on retourne au truc de stock là pour. On va retourner au truc de stock vite fait là, pour un. Se débarrasser de tout ce qu'on a en trop parce que sinon on va louper des trucs qu'on va pas pouvoir ramasser, ce serait dommage. Comme là on a des trucs à vendre là. Ça va nous faire du blé. Normalement il n'y a personne, on devrait être tranquille là. Ils ont pas respawné les trucs quand même. Oh c'est bon. Alors oui, bah oui, ça, on va le chemin, on s'en débarrasse, c'est sûr. Après, semi-conducteur, ok. Ah oui, oui, sans regret, hein, au contraire. Allez, hop, ouais, ça c'est bon, ça nous fait un peu de blé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah non, le reste, on en a besoin. On va garder. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, il va falloir vite qu'on passe à la combinaison suivante parce que on a que 3 emplacements. Et je sais pas quand est-ce que je sais plus quand est-ce qu'on a la prochaine évolution de la combinaison. Alors on va en profiter. On fait une petite sauvegarde. Voilà. Et on y retourne. Normalement on croise rien hein. Mon pauvre vieux, je sais pas ce qui t'a pris mais là on a un plan là. Normalement on a des points, on verra ça tout à l'heure. On récupère ça, on en a pas besoin pour l'instant mais pour revendre. Alors. Oh 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 oh. Ah ouais, d'accord. Ah bah lui déjà il est moins malade que l'autre. Oh putain, puis il y en a un autre à droite. On va déjà finir celui-là. Allez, vite, 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 toi. Allez, dégage. Putain. Merde, faut que je recharge. Oh le con, putain merde, j'aurais pas dû passer par là. Pourquoi j'ai sauté dessus, je suis con. Ah puis j'aurais dû foutre de la stage, j'ai paniqué, merde. Ah tiens, c'est de ta faute.
se remplir de stase. Ça, hop, voilà, comme ça c'est ouvert. On recharge parce que comme ça se vide vite. Oh putain, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est une scène. On est dans une partie du vaisseau en fait qui est complètement décompressée. J'aime bien ces scènes-là. Ah tiens, on va récupérer ça qui traîne. Ah, les sons sont bien faits. Ah, c'est vrai que putain que l'ingénieur du son, enfin les gars qui s'occupaient du son, c'est pareil, ils ont fait un boulot, mais vraiment bravo, hein, parce que on s'y croirait vraiment. Hein. Alors, oh, je vais manquer d'air. Voilà, c'est bon. Vous savez, les Chimora gèrent la gravité indépendamment en plusieurs points. Vos bottes de gravité s'activeront dans toutes les zones sans gravité. Merci pour l'info. Alors, ça on sait jamais. Ah ouais, là c'est une partie où on va se retrouver, on va être obligé de couper la pesanteur. Et c'est bien foutu aussi ça, de mémoire. Voilà, trop loin. C'est pareil, il faudra qu'on le fasse évoluer pour pouvoir aller chercher des trucs plus loin. Ah, donc comme on a des bottes magnétiques, bah c'est bon. Hop, on récupère. C'est toujours ça de prix. Alors nous, il faut qu'on aille en face. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Non, a priori il n'y a rien. Ah, Isaac il avait mal à la nuque. Alors il me dit de passer par là. Bon, on va passer par là plutôt, c'est plus court. Et hop là. Merde, je sais plus, je me suis paumé du coup. C'est où? Ça c'est quoi? Non, ça sert à rien. Je me suis planté de côté. On va retourner. Ah bah là c'est encore plus rapide. Là, à chaque fois il faut à l'envers. Hop. Voilà, là c'est bon, on y est. Alors. Hop, un petit transpo ou je sais pas quoi là. Voilà. Il doit y avoir notre défibrillateur derrière. J'adore la gueule d'Isaac, sa combinaison. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, on va aller voir là-bas si des fois il n'y a pas quelque chose dans le conduit à récupérer. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, dans la scène d'intro, à un moment donné, quand on est encore dans le vaisseau avant d'arriver, bah merde, on peut pas y aller. Merde. Oui, à un moment donné, je bouge la souris parce qu'on peut bouger la souris dans le vaisseau pour avoir différentes vues. Et du coup, on voit le visage de Isaac. Et c'est la seule et unique fois d'ailleurs où on le verra. Enfin, après, on verra dans le 2 et le 3, quoi. Mais bon, le 2 et le 3, vaut mieux les oublier. Le 2 encore, bon, ça va. Mais... Et voilà. On va retourner là-haut. C'est con, je pensais qu'il y avait peut-être un passage moi dans le conduit là, ouais. Pour récupérer des trucs, mais visiblement pas. Sortie zone sans gravité. D'accord, bon alors. Ok, ça c'est fait. Ça on peut pas l'ouvrir. Ah ouais, alors tous les casiers en fait qui sont verrouillés en rouge, peut-être que vous vous posez la question depuis le début. C'est parce que le.
utiliser ça avec la thermite pour détruire la barricade. Merde. On dirait qu'ils s'approchent. Je les entends dans les conduits. Faites gaffe, Isaac. Ah, je vous laisse écouter les messages. C'est parce qu'une fois qu'on a fini le jeu, en fait, on peut faire un deuxième tour. Attends, il y a un truc là. Oh putain. Alors on va lui foutre ça dans la gueule, lui. Hop, ça tombe bien. Voilà, ça c'est efficace. Ça. Il y en a un autre, non? Où il est? Je vais pas arriver, j'en ai entendu un autre. Ah non, a priori, j'ai rêvé. Ou c'était l'écho de l'autre que j'ai buté. Oui, donc je disais, une fois que vous avez fini le jeu en difficile, vous pouvez refaire le jeu en fait et accéder à tous les casiers qu'on a vus qui étaient en rouge, qui sont réservés pour le deuxième passage en fait. Sortie zone sans gravité. Alors donc on va retourner dans la zone sans gravité. On va speeder parce que on n'a pas beaucoup d'oxygène. Non, oh, putain! Oh putain, les salauds! Il n'y avait rien tout à l'heure là. D'où il sort, les. Hop là. Ah, c'est plus facile de les niquer en gravité. Oh les fumiers, putain, moi je me pensais pas qu'il y avait quelque chose. Je m'étais dit, on va y aller, on va tracer. Et puis on va être peinard. Et puis pas du tout. Allez. Putain, on dirait qu'ils sont plus fragiles dans les zones comme ça. Oh, il m'a bousillé de ma vie aussi ce qu'on a. Oh, les tordus. Ah non, c'est pas cool, putain. Il y avait rien à l'aller. Normalement, au retour, il y avait que dalle. Bon, allez. Ouais, ça va. On a suffisamment de stase au cas où on trouverait pas de. On va faire une petite sauvegarde. Voilà. Hop. On entend les bouts de pattes de l'autre là qui sont en train de jeter dans tous les sens. On va reprendre de la stase, même si on manquait pas beaucoup. Vaut mieux avoir le plein. J'arrive pas à voir ce qu'il dit, ce qui est écrit. À la limite, c'est pas très grave, on s'en fout. On va se méfier parce qu'ils ont dû. Oh, il y a un truc derrière là. Oh putain. Allez. Allez. Crève, crève, crève. Non, ça va. Super, j'ai cru qu'il y en avait un derrière aussi. Il y en a un en bas là. Il y en a un en bas. Il y en a un en bas. Il est où le bâtard? T'es où toi? Montre-toi. Ah, t'es là. On touche pas. On va t'arranger ça. Voilà. Voilà. T'es beaucoup plus joli comme ça. C'est bon? T'as ton compte? Ouais. Allez, on y va. Tout à l'heure on y a été là-haut, donc il n'y a plus rien. Toi, t'as rien là. Ah si, un petit peu de munitions, c'est bien. Là, on peut toujours pas y aller. On sera sûrement amené à revenir plus tard, à moins que peut-être si on enlève ça, non. Non, on peut pas l'enlever. Oh putain. Non, faut se méfier parce que. On regarde là, vite fait, on va s'améliorer un truc. Allez. Alors, cutter, arme d'assaut, rigs, module de stase. Non, on en faut toujours 3, putain. Alors, on va continuer à faire évoluer le cutter plasma. On va se mettre là, comme ça, on aura accès la prochaine fois à la recharge. La recharge rapide et puis le tir un peu plus rapide.
l'indicateur, il est très efficace. En fait, ce qu'il va nous falloir plus tard, c'est le transfert pour les plus gros. Et le fusil d'assaut, là, à un moment donné, il y a des petits trucs, là. Putain, voilà, ces saloperies là, putain. Ah, c'est de la merde, ça. Faut pas que ça s'approche des cadavres, parce que si ça s'approche d'un cadavre, le cadavre, il se relève. Enfin, ça infecte les cadavres. Ah, putain, c'est pas ceux-là que je pensais. Je pensais aux petits trucs, là, avec les... Ah, putain, mais il y en a combien? Je pensais aux petits trucs avec les tentacules, là. Je pensais croiser ça. Hop. Il y en a encore un? Il y en a encore un, putain. Putain, mais ils viennent... Oh, putain! Dégage. Mais, putain, il y en a combien? Oh la vache! Il y en a d'autres ou il n'y en a pas d'autres? Il n'y a pas de bruit, donc normalement il n'y en a pas d'autres. Bah merde, je suis bloqué dans cette position-là, c'est quoi ce beans? Bah je peux pas revenir en mode normal, je reste en mode visé, c'est quoi ça? Bah lui pareil. Merde, qu'est-ce que j'ai demandé? Excusez-moi, hein, j'ai un petit problème technique. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok, c'était la touche Caps Lock qui était... J'avais appuyé dessus malencontreusement. Et ça m'avait verrouillé en mode de tir. Donc là, on va se faire, comme d'hab, une petite mise à jour. On va vendre ce qu'il faut vendre, acheter ce qu'il faut acheter, etc. Parce que là, on arrive à la durée de la vidéo. Donc, on va... Voilà, on va vendre ça, le truc d'assaut. Moi, je vais en profiter, là, que je suis en train de... m'occuper de mon inventaire pour prendre congé de vous. Vous souhaitez une bonne fin de journée. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez et tutti quanti. Et j'espère vous voir pour la suite de cet épisode 2. Ce sera, je pense, la dernière partie, la troisième partie. Oui, on va acheter les points de force. Parce que ça, faut toujours qu'on en ait un pour regarder. Pour ouvrir des portes éventuelles là, qui peuvent me donner accès à des choses qui sont rares. Et puis des munitions, ça. Et puis on a plus de blé comme d'hab. Mais bon, on a quand même pu récupérer quelques trucs. Alors voilà, donc on va faire la sauvegarde. Et je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien.